La famille, avant que l'épisode commence, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de la série. Abonnez-vous aussi sur mon Instagram, je vais faire un live après chaque épisode, donc il y aura des exclus. Donc venez sur Instagram la famille, ça fera plaisir. Sur ce, bon visionnage. Et si vous êtes déjà chaud pour 2 épisodes par semaine, c'est très simple la famille, bombardez de j'aime et bombardez de commentaires. C'est le destin. Et comme on dit chez nous, c'est le mec tout. C'est le mec tout, c'est Dieu qui commande. Ah, je peux pas faire autrement, ça c'est le mec tout, c'est Dieu qui commande. Ah, je peux pas faire autrement, ça c'est le mec tout, c'est le mec tout. J'ai fait un cauchemar. Où j'étais mort dans le bloc. Tué par balle. J'étais pas prêt. J'avais encore tellement de choses à faire. Avant de partir, j'aurais aimé dire certains mots à des personnes qui comptaient pour moi. Mais la mort ne prévient pas. On prépare nos vacances, notre journée du lendemain. On prépare pas notre mort. Super Hassan, tu peux aller te changer. Lourd les refs. Ah, bien joué Hassan. Merci frérot. C'est bon, ça. Va. Tranquille. Super cool. Tiens mon ref. Je te remercie mon ref. La semaine, vas-y, on se voit. On se voit après. Oh là là mon fils. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Ça va. Tu vas bien? Tout se passe bien? Ouais. Tranquille. J'aime pas quand je suis plus mort. Ah, ça va, c'est une petite série, c'est pas pour de vrai. Hein? Ah, mon fils, il est fatigué ou quoi? Un peu. Et ça, on passe au démaquillage. Ça va, ouais. Oh. Je vais me démaquiller, j'arrive. Ça marche. Okay. Bon. Ça se passe bien pour toi? Ouais, ça va. Sûr? T'as besoin de rien? Non, c'est bon. Vas-y, je vais me démaquiller, j'arrive. Ouais, okay. Si c'est bon. Je vais voir une telle. Ah non, c'est trop bon. Ah non, je range les pieds, je range tout ça et tout. Du coup, t'as fait quoi aujourd'hui? J'ai rien fait de spécial. J'ai rien fait. J'ai ni fait mes prières, ni fait à manger. T'es sérieuse là? Mais t'as fait quoi aujourd'hui du coup? Bah, je t'ai soutenu en fait. Arrête de faire genre. Aïe aïe aïe. Tu sais quoi, regarde, on rentre. C'est moi, je fais à manger, comme ça tu fais tes prières, ok? Pour une fois. Ah ouais, c'est comme ça. Elle, c'est Aïcha, ma petite femme, ma meilleure amie, ma confidente. On se dit tout. Enfin, presque tout, tu connais. Enfin bref, je suis très complice avec ma femme. J'aime trop passer des moments avec elle. On rigole tout le temps. Sur. Là, j'ai pas besoin de vérifier. Oui, j'ai fait boum. Il a pas bougé. Donc, il dort, vraiment. Ok. Donc ça te dit, on se met un petit film, toi et moi? Non, bah alors c'est moi qui choisis le film, alors. Il va aller dormir. C'est elle qui est là pour moi quand ça va pas. On s'écoute, on s'épaule. Et si un de nous n'est pas bien, automatiquement l'autre ne va pas bien. Aïcha, c'est la reine de la maison. Elle s'occupe de tout. Elle arrive à gérer son travail, notre fils, à me soutenir dans mes projets. C'est vraiment la meilleure. Normal, c'est ma marocaine. Quelle femme, mashallah. Ne croyez pas, hein. Je l'aide. Enfin, même si elle me force un petit peu. Mais je lui en veux pas, c'est normal.
Et comme vous l'avez compris, ma femme m'a offert la plus belle chose qu'un homme puisse rêver d'avoir. Un enfant. Mon fils, Aiden. Il vient tout juste d'avoir un an, ce petit beau gosse. Je suis pressé de l'emmener au bled, celui-là. Miam, miam. J'ai du poids sur mes épaules, ça j'en suis fier. T'as donné la vie au plus bel enfant de l'univers. Toi la plus heureuse des mères. Tu sais que quand t'as marché mal, il est là. Je ferai tout ce qu'il faut. Tiens, prends du jus. Prends du jus. Il est concentré là. C'est quoi ça? Ma famille, ma bataille, je porterai nos fardeaux. Tes cœurs de fermé, c'est toi qui m'as fait changer. Tiens, viens, ça va voir maman. Mais les buts? Tu veux pas faire les buts? Maintenant, j'ai ma petite famille, ma bataille, j'ai des responsabilités. Je peux plus traîner dans le bloc à la fin. J'ai une belle famille, et pour eux, je ferai tout ce qu'il faut. Mais comme toujours, le bonheur ne dure qu'un temps. Un, deux, trois. Qui? T'as vu vite, toi, hein? Le B. Ah, t'as pas totalement oublié, finalement. Comment t'es mon numéro? La question, c'est pas comment j'ai eu ton numéro. T'aurais pas oublié quelque chose, toi, par hasard? Dis-moi. 100 000 euros que je t'ai envoyé à l'époque, là, pour ta putain de série. Mais tu m'as dit que je te rembourse quand je veux. Ah, marrant, toi. J'ai vu, hein. Ça marche très bien pour toi, en ce moment. J'ai vu entre-temps... T'as une femme, un enfant. Bien. Tu sais que ça serait très bête qu'il leur arrive quelque chose pour une dette qui n'a pas été payée. Et du coup, c'est comment? 48 heures. Viens là, mon fils, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller jouer? Va jouer. Bye bye. Il t'a dit bye bye. Bye bye, mon fils. Ça va, Hassan? Ça va, et toi? Oui, moi, ça va très bien, mais toi, je sais pas, t'es bizarre un peu. Pourquoi je suis bizarre? Tu parles de ton remboursement. Tu parles de l'appel téléphonique? Ouais. Non, t'inquiète pas, c'est rien, ça, c'est pour le travail. T'as pas l'air convaincant du tout. Non. Pour de vrai, t'inquiète pas, vraiment, y'a rien. Écoute, t'es ma femme, t'es ma meilleure amie. S'il y a un truc, je t'en ai reparlé. Papa? Ok. Bon, t'inquiète pas, il y a le petit qui m'appelle, il va tout casser, je vais le rejoindre, ok? Vas-y. Viens, mon fils. Oui, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Hassan, tu penses à quoi? Rien, je lui donne à manger. Tiens, mon fils, tiens. Non, Aiden, c'est bon. T'as vu, il veut pas. C'est bon, les yaourts. Tiens, encore un peu. Non. Dis papa. Maman, t'es moche. Pourquoi il parle pas? La canin, Hassan. Mais moi, un an, j'avais le permis, un an. Lui, il est là dans sa petite voiture et tout. Moi, j'avais déjà un Range Rover à un an. Mais n'importe quoi. T'as même pas eu le brevet. Qu'est-ce que tu racontes? Bref, moi, je vais préparer le barbecue et je vais me changer. C'est bon? Aïe. Viens, mon fils, viens. Faut pas écouter ta maman. Ta maman, c'est une mytho. Aïe. Oui.
Ton papa, il a eu le bac et en plus, il a une belle voiture et une belle maison grâce à Dieu. Et si la maison, il veut pas se la faire voler, eh ben, il faut pas qu'il se dispute avec maman. Oui, parce que ton papa, il va se faire voler la maison s'il y a divorce. Ouais. Et du coup, faut aller aider maman au barbecue, comme ça, ça s'énerve pas. Et là encore avec ton papa pour le mariage. Viens, on va aider ta maman, viens. Oh, va qu'on se fasse voler la maison, mon fils. Viens, viens. Ah, pas Soufiane. Lui, c'est Souf, mon zinc. C'est comme un frère, on a fait trop de dingueries ensemble. On va garder ça pour nous. Hein, pas Soufiane. Il est dans la musique depuis. Je suis sûr que vous connaissez déjà ses pépites. يونتي اللي نبغي حبيبي زين مغربية يونتي اللي ندي عمري نبغي هي هي يا بوتي الجيريان الجي وهران تلمسان يونتي اللي عزيز عليا يا عمري غير قولي ليا يا يا Elle fait tomber les hommes, si belle. Elle fait mal, beauté tunisienne. Personne pour la raisonner, caractère ayant elle. Elle fait mal, beauté tunisienne. Bon, dans le foot, c'est pas pareil. Il a un peu le seum de moi parce que je la regarde trop en ce moment, tu vois. Mais tranquille, tu fais des tubes, tu peux pas être bon partout, frérot. Oh non, 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 non. Moi, je suis pas avec toi, je te le dis. Hein. Tu m'appelles plus, hein. Tu m'appelles plus, frère. Je te jure, tu me dis, il y a un foot, je viens plus. Vas-y, mauvais perdant, vas-y. Mais c'est le frérot, voilà, ça bouge pas. C'est pour nous. C'est validé. D'ailleurs, on va bientôt faire un feat ensemble à la Willy Willy, donc soyez prêts, la famille. Bah ouais, cette fois, ta trace et ta route. Bah ouais, dans cette histoire, j'ai mes torts. Donner ton cœur, ça c'est fait. Et sinon, côté amour, il est en couple avec Julie. Ça fait 5 ans. 5 ans que t'es en couple avec elle, frérot. Je t'attends quoi, là? Nous, on veut le mariage, mon ref. Sortir les voitures, faire le cortège, les costumes, tout ça. Vas-y, speed, mon ref, là. Du coup, Julie, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Un peu trop de fois. Julie? Oui? Tu peux passer l'ordinateur, s'il te plaît? Viens juste là. Ouais. Ah, merci. T'es la meilleure. De rien. Et attends, la bouteille d'eau là, s'il te plaît, le petit fond d'eau, je veux le boire. Il n'y a plus rien dedans. C'est pas grave, je te reçois. Tiens. Merci. Et la télécommande, la télécommande. Juste là, là, qui est juste là, là. Tiens. Merci. Et attends, attends, tu fais quoi? Bah, une lessive, je te dis. Attends, bah, tu peux prendre mon caleçon qui est juste là, là, je l'ai balancé tout à l'heure. Juste là. Juste là. Et sur le radiateur aussi, il y en avait un. Voilà, là, voilà. Merci. De rien. Attends, attends, attends. Quoi? Allez, s'il te plaît, tu sais quoi, j'ai trop mal au pied. Tu peux vite fait, tu me fais un petit massage, juste 5 minutes. S'il te plaît, un petit massage. J'ai fait un 5 tout à l'heure, j'ai trop mal. D'accord. Ah, franchement, ça me fait du bien aussi. Ah. Tu peux aller me chercher la gare, s'il te plaît? Voilà, c'est Julie. En plus, elle est trop drôle quand elle commence à apprendre des mots rebeux. Voilà, ça me fume. Fiège jure. Fiège jure. Mais non, fiège jure. Fiège jure. Bah, Soufiane. Bah, c'est Dienna. Bien ou quoi, frérot? Ça va, comment? Tu vas bien, mon zinc? Et toi? La cool, ça va bien. Ouais, bon gosse Dienna. Julie, ça va? Ouais, c'est ça va bien, tranquillement. C'était comment la route? Bah, écoute, super rapide, hein. Là, tranquillement, la cool. Faites comme chez vous, hein. Vous l'avez reconnu, c'est mon frère, le Taj. Il s'en est remis depuis le bloc. Avec la bavure policière, la perte de mémoire, il va beaucoup mieux, le frérot. Et quand je vous dis va beaucoup mieux, c'est pour de vrai. Il est devenu carré, le ro. Il s'y met à fond dans le sport, il a rien lâché. Tabarakallah, le ref d'Yelna. En plus, en ce moment, il gère un bon business. Mais pas le même business que dans le bloc, hein. Un business légal, t'as capté? Sinon, rien n'a changé. Il est toujours là pour la famille, toujours là quand il y a Haja. Toujours avec nous, ses frères, on fait tout ensemble. Prière, foot, sport, maison. Mais les meilleurs moments que je kiffe, c'est quand on se clash, quand on se termine. Eux-mêmes, ils savent. Tu prépares ton mariage et tu dis aux gens manger avant de venir. Mais c'est quel genre de race, hein? Vous l'avez reconnu aussi, mon deuxième petit frère, Eden, le plus petit de nous trois. Il traîne un peu trop dans le bloc en ce moment. Je commence déjà à entendre des dingueries comme quoi il fait de la merde au quartier. C'est l'âge, t'as capté, c'est vraiment sa période à lui et ses gars. Mais je vais pas le lâcher. À part ça, il passe pas mal de temps aussi avec nous. Ça fait plaisir qu'on se retrouve tous les trois. Ça, ça bougera jamais.
Qu'est-ce qu'on rigole. Si vous saviez la famille. Même vous, prenez soin de votre famille, c'est très important. C'est mon petit ref, je le kiffe et j'ai pas envie qu'il parte en sucette. Donc faut vraiment que je le surveille. Lui, sa bécane, ses bêtises et son meilleur sahab, Mortala. Du coup, Mortala, c'est lui. Et c'est pas son blaze, c'est son vrai prénom au cas où. C'est le meilleur pote à mon frère Edem. Ils font toutes leurs dingueries ensemble. C'est des petits malins, moi je vous le dis. Mais ils savent pas. On a fait ça avant eux. Ils sont souvent ensemble. C'est simple. Si Edem n'est pas avec nous, il est avec Mortala. Et lui, Mortala, s'il est pas avec Edem, il est avec sa pécane. Chacal. Bien ton frérot. Pourquoi ça ce que je vois hein. Bah toi aussi, bah c'est bien. Comme ça, frérot. Ça va tranquillement, ça se passe. Ah ouais, t'es dans le bloc là mon ref hein. Jogging, tout ça, carré hein. Le beau frère. Ah bah Hamza, le beau frère. Vous avez compris, c'est le frère de ma femme Aïcha. Il est très protecteur envers sa sœur. Et c'est normal, c'est tout à son honneur. Je le kiffe le frérot parce qu'on parle tout le temps de religion. D'ailleurs, faut que je fasse un petit rappel. Et il m'apprend beaucoup de choses, ça fait plaisir. Il faut savoir qu'au début, il a pas voulu me donner la main de sa sœur tout de suite, hein, par rapport à la notoriété, tout ça. Mais je comprends. Ensuite, il a appris à me connaître personnellement et ça s'est fait tout seul. Maintenant, c'est la famille, ça bouge pas. Tu vois frérot, dans notre religion, il y a une sourate qui est consacrée à la femme. Ça montre son importance, tu vois, de la protéger, de prendre soin d'elle, de bien s'occuper d'elle. Et tu vois, moi et ma famille, on t'a confié ma petite sœur. Je vois que ça se passe bien, qu'elle est heureuse. Tu vas continuer comme ça, continue de la protéger, frérot. Pas de problème, frérot, ça me tout ce que tu dis. Mais par contre, la manière dont tu m'as dit continue comme ça, frérot, on dirait un prof principal, tu sais, qui a mis une appréciation. Continue comme ça, très bon trimestre. Ah bah tiens, regarde qui voilà. Salut, M, ça va? Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, okay. Ça va, ça me plaît. Ça va. T'as fait quoi aujourd'hui? Rien de spécial, j'ai rangé la maison. Tranquillement? Ouais. Ok. Pourquoi tu t'habilles en or? Fais chaud d'or, fais chaud. Laisse ton frère tranquille, on va s'asseoir à la maison. Ça taquine, hein. Ouais, ça taquine, ah, en plus là il fait trop chaud. T'as pas eu chaud à la maison là? Non, ça va. Ah ouais, il fait bon dedans, non? T'as eu frérot? On dit rien, on ramène à bord direct, je te remercie. Plaisir. Merci. Alors comme ça, ça parle de moi? Je lui dis qu'il devait continuer à prendre soin de toi. C'est non, t'es bébé là, ça. T'inquiète, tu prends soin de moi, t'inquiète. J'espère bien frérot. Toujours, toujours. C'est ma petite sœur, hein. C'est ma femme maintenant aussi, frérot. On est une famille? On est une famille, on est dans le même bateau. Ça y est. Ça bouge pas, mon ref. Bouge pas. Salam alaikum. Salam frérot. Ça va, frérot? Ça va, toi? Tu vas bien? Tranquille. Alhamdoulilah. Ça va? Ça va. Hello, ma petite soeur, les petits neveux. Ils sont tous posés là-bas, frérot. Ça va, y'a pas de problème? Ouais, tout va bien. Tout va bien, frérot. Tout va bien, toi, ça va? Nickel, frérot. À la cool. Ça va. C'est carré, allez. Les retardataires, aïe, aïe, aïe. Elle, c'est Lina, ma petite soeur, la petite dernière de la famille. C'est notre princesse à tous. On fait trop attention à elle, c'est trop. D'ailleurs, elle travaille sur des projets à la maison avec ma femme. Ça me fait trop plaisir de savoir qu'elles s'entendent super bien. Je les appelle, ça marche. Donc je te laisse ça avec toi. Ok, pas de soucis. Bah, je regarde ce que j'ai à finir et je les appelle de suite et je te redis. Ok, ça va. Bah, bon courage. Merci. Hein. Oui, allô? Et le garçon à côté d'elle, il s'appelle Fayou. C'est son mari depuis quelques mois. Je me suis renseigné sur lui. Mais personne ne sait rien de particulier sur lui. Pourquoi tu l'as regardé? Je l'ai pas regardé. Je t'ai dit que tu l'as regardé, je suis pas fou. Je l'ai pas regardé. Je t'ai vu, tu l'as regardé. T'es sérieux là? Vas-y, enlève ta main. Vas-y, avance, regardé. Avance. Ça va, petite sœur? Oui, tu vas bien, tranquille? C'était bien la route? On a cool. Bon, comme d'hab, fais comme chez toi. Il y a tout le monde. Donc j'ai parlé longuement avec lui et c'est un bon petit gars. Je lui fais confiance. Comment avec ma petite soeur, tout va bien? Alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Ok, ok. S'il y a un truc, n'hésite pas, tu me dis un frérot. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, là, t'es comme chez toi, comme d'habitude, mon ref. Bienvenue. Bon, tout le monde est là. C'est parti. Regarde. Ça, c'est quoi? Un léopard. Attends, on va lui dire le lapin. Attends, on va voir s'il dirait vraiment le lapin. Vas-y, vas-y, regarde, tu vois. T'as rien vu, hein? Tiens, celui qui l'a fait tomber, Fad Merguez. Il frappe la Ligue 1. Ouais. On est sur 2-0, la tête d'âme 2-0. 2-0. Attends, on va voir s'il dirait vraiment le lapin. Vas-y, vas-y, regarde, tu vas voir. Ouais, ouais. Bravo. Faut me prendre la passe maintenant, monsieur. La passe. Oh,
C'est qui, c'est bébé. Wesh, comment avec Hassan là? Aucune nouvelle, frère. Là, j'ai aucune nouvelle, le B, il me dit rien du tout. Wesh, comment ça? La fille de ma mère, il me dit rien du tout, il y a 100 000 pétards qui dort. Il me dit rien du tout, frère. Mais faut aller le voir, faut aller parler avec lui, c'est quoi les bails là? On va le voir, moi, quand tu veux, frère. Vas-y, viens, on parle avec lui là, vas-y, viens. C'est comment avec Hassan? Ouais, c'est comment avec Hassan, frérot? T'inquiète pas, frérot, je t'ai dit, je gère tout. Mais tu gères quoi, frérot? Il nous doit 100K, frère. Eh, frérot, détends-toi, frérot. Calme-toi un peu, gros. Ouais, détends-toi. On fait quoi, là? Tout de suite, maintenant, on fait quoi, là? On va le soulever ou pas? Viens, laisse-moi y aller, lui, baiser sa mère, frère. Çağırtır kuze. Onu sikmeye gidiyoruz. Petit. Bien quoi, frérot? Ouais, ça va. Tranquille. Bon, mec. Ouais. Ça va et toi? Bien, faut qu'on parle. Ouais, vas-y, vas-y. Le Taj, tu peux t'occuper du barbecue, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Au top, tiens, un monstre. Dis-moi. Dis-moi, t'as l'air tendu, là, qu'est-ce qui se passe? Y'a quoi? Il doit s'emballer à quelqu'un. Ouais, ok, et? À quelqu'un pas fréquentable, frère. Vraiment pas fréquentable. Ok. Du coup, je vais voir avec toi si t'as 100 balles. Ouais, j'ai 100 balles, frérot. J'ai 100 balles, attends, t'inquiète, c'est pas, frère, te mets pas dans des états pour 100 balles. Tiens, 50, 100. Tiens, prends. Tiens, prends-les. Je crois que t'as pas capté, frère. Quoi? Pas 100 balles, 100 euros. 100 balles, 100K, 100 000 euros. 100 000 euros? 100K. 100K? 100K, déjà je vais bien les prendre. 100K, frérot. Frère, 100K c'est une quicheta, t'as fait quoi pour 100K? Doucement, frérot, doucement. 100K, pourquoi 100K? T'as fait quoi? Frère, à l'époque j'avais pas dosé pour faire des séries. Ouais. J'avais Wello, j'avais rien. J'étais passionné. Et un gars il est venu, il m'a dit je peux te passer 100K. Je t'avance. C'était un grand du quartier, frère, il était. Ouais, je peux te faire un dessin. Ouais, ouais. Il m'a avancé 100K. Mmh. Maintenant, il les réclame. Mais là, je les ai pas tout de suite, frère. Putain. Et même si je les avais, tu crois, je peux sortir 100K comme ça, frérot? 100K, je viens d'acheter une maison, j'ai un enfant, j'ai une femme. Je l'ai meublé. Tu captes? Un gros 100 000 euros, c'est une quicheta, frérot. Du coup, frère, je serais pas là à te demander si j'en avais pas besoin. Du coup, est-ce que t'as 100 000 euros, frérot, pour moi? Frère, 100 000 euros, c'est un budget, frère, tu vois ce que je veux dire? Je sais, frère. Je te les rembourse direct, ma gueule. Qu'est-ce que lui, là, il est pressé? C'est ce qu'il m'a dit. Il dit ouais, je suis au courant que t'as une femme, un enfant. Putain. T'as vu, je peux pas prendre le risque, frérot. Putain. J'aurais pu aller dans le bloc et tout, faire des. Ouais, c'est ce que j'allais dire, viens, on va au quartier, viens, on fait une équipe, on monte et on. Si c'était si simple que ça, frérot, je l'aurais fait. Mais là, c'est différent. Ah, c'est vrai, tu peux pas te permettre de faire ça. T'as une famille, t'as. Non. Tu captes, j'ai un enfant, j'ai une femme. Non, c'est vrai. Je peux plus me permettre de faire ça, tu vois. J'ai dit, j'aurais pu dans le bloc, ok, mais là, c'est pas pareil. Ce gars-là, il rigole pas, tu vois. Il est dans le sale. Frère, tu sais quoi, je vais faire le maximum, je vais essayer de trouver ce que je peux, mais je te promets pas de réunir 100 000 euros, frère. 100 000 euros, c'est une grosse somme. C'est une quicheta, frérot, tu vois ce que je veux dire. Mais t'inquiète, je vais faire mon maximum et je te passerai ce que je peux, tu vois. Merci, bon mon Zach. T'inquiète, on est ensemble. Merci, mon Zach. Même pas. Et sur toi, ça reste. T'inquiète, ça va le faire. Si on sait jamais devant eux, on ouais, dit non, un non, mot, on un truc bien, fait que. T'inquiète. Ouais, je suis comme si dans l'été, t'inquiète. Pas de soucis. On est ensemble, vas-y. On se remet dans l'ambiance. Vas-y. Les filles, ça va ou quoi? T'es fatigué? Oh! Le spot, Jojo. Alors, c'est les sticks, tiens. Toujours bien accueilli. Comme d'hab, frérot. Un petit barbecue. Comme d'hab, ça bouge pas. Ouais,
Je fais attention à toi. Moi, tu fais attention à moi sur toi. Ok, frérot. Tu ne veux pas aller, ref. Hey, t'arrêtes d'embrasser ma femme, toi? C'est ton sang qui coule dans mes veines. C'est pour toi j'en fais des tonnes.